dire que c'est bon comme ça. Ouais, on va lancer. On va peut-être blablater. On verra bien. Si tu vois un petit problème, je sais pas si tu restes encore longtemps, mais si tu vois un petit souci, tu me le dis. Je vais faire. Je crois que j'ai lancé un hardcore. Puis merde, on verra bien. Cette épidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Ah, ils ont fait carrément. Ah, pas mal ça. Les bâtiments sont en feu. Les autorités se préparent pour plus d'émeutes ce soir. On assiste à des incendies, des affrontements. On a retrouvé un patient, le visage complètement défiguré. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du Midwest des États-Unis. Engagement, honnêteté et intégrité. Honnêteté. Les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporation. Oh les faux culs. Oh les gros faux culs, les fils de chien. Ah c'est ça, honnêteté, mon cul, hein. Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Bien sûr, on va te croire. Ah, regarde l'honnêteté là. Regarde l'honnêteté. Ça a l'air d'être très honnête tout ça, hein. Resident Evil. Même pas? Même pas? Oh vas-y. Sérieux quoi. Ça va le son? Pas trop fort? Vous m'entendez? Vous l'entendez bien? Tout roule. J'ai fait vite mes réglages puis j'étais un peu à la boue encore. Ah bah c'est le Nemesis. Sa petite boîte. Alors moi ce qui me fait le plus peur c'est le doublage par contre. Si je vois que le doublage français est tout pur du cul, la démo bah, je me rappelle pas mais ça allait. Ouais ça allait. Victor était un peu rhumé quand même. Et c'est Pablo Escobar, j'allais dire. Notre petit Pablo Escobar. Il avait une voix. Ça allait lui. Ça me dérangeait pas, mais Victor était pas ouf quoi. Là, je remets la caméra. Je recheck, tout va bien. Je remonte un petit peu. Ça commence à se sombrir chez moi. Pas trop non plus. Voilà, semi-lumineux, la connexion s'est stabilisée, je ferme mode classe, sinon ça va laguer. Et tout tient la route, ça c'est pas beau, c'est pas live de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Original color, cute that spot. Madame veut se faire toute belle. Une voiture de police. Oh, comme c'est mignon. C'est pas la toque de Resident Evil 1, ça. Bon, graphiquement, j'ai pas l'impression qu'il a beaucoup changé. Par rapport à la démo. Pas de fenêtre. Vas-y, mets tes petites pantoufles. Mets tes petites pantoufles. Tiens, par contre, attends. Ouais, ça va, ça marchait. Je vais vérifier. Est-ce que je peux regarder le mur? Voilà. Ah, mais ça, c'est la scientifique qui a créé le virus T, c'est ça? Ouais. Et. What? L'équipe des stars, j'imagine? Ouais. Ok. Tiens, ils auraient pu faire un petit effort, hein. Est-ce qu'on... Regarde ta snake là au milieu là. On dirait trop. On voit rien mon gars. C'est fou. Ouais, c'est peut-être de Resident Evil là, je sais pas. Virus, ouais. Investigation. Stalette, je sais pas ce que ça veut dire. Les autres mecs qui se font bouffer. Review sanction.
Je regarde aussi jamais avec le petit secret. Moi j'ai tout mon temps. De toute façon, je compte pas le rusher. Je vais bien le découvrir. On va essayer de looter le plus de statuettes possible. Par contre, on va faire quoi? Ok. Pas très vitesse ça, agile. Hein. Tu vas prendre du bide, hein? Minado pizza, est pas mal ça, pizza dans la lune. Anitam, anywhere. Ça, je voudrais bien voir, tiens. Les pizzas vidaires. N'importe quoi. À n'importe quel temps, n'importe où. On vous les envoie. Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Eh bien, Evan. On vous livre de Mars. Qui c'est qui est en train de pisser là? Ouais, c'est comme ça. Allez, ça laisse le robinet. Ah, bah, c'est beau ça. Joli. Et, oh bah elle est bien faite, ouais, j'ai l'impression que les textures sont un peu mieux. Qu'est-ce qui se passe? What? Non, c'est pas possible. Bah, déjà, on commence à peine. Calmez-vous. Ah, elle devient dégueulasse. Ah ouais, elle est très belle, hein. Franchement comme ça, vas-y tire-toi une balle, t'as raison, n'hésite même pas, oh, elle est dégueulasse. Mais Malma d'Ophir était plus belle quoi. Ah c'est un rêve ça, elle bosse trop serré. Ouais. Je vois ça. Bonjour. Et tu as dû à cette ville. What more? War, ça, les pires mois de ma vie. Là, c'est quoi? Escape? Ouais. Tourne le corps de Raccoon City. Par contre, j'ai l'impression que le son est pas fort. Pourtant, il est à fond. C'est ouf. Hein. Choc. Bah ouais. Que faire? J'ai un peu trop forcé. Pour l'alcool? Ah, je peux l'examiner maintenant, ok, nickel. Note d'enquête Umbrella. Attends, est-ce que je peux la lire? Oui. Leader de l'industrie pharmaceutique se concentre sur le développement d'armes militaires derrière cette façade de société pharmaceutique. Développe aussi secrètement des armes biologiques. Fuite du virus T au laboratoire Arclay, à l'origine de l'accident du manoir. Il y a étroit avec les dirigeants de Raccoon City, a fait des dons importants au bureau du maire Warren, contrôle activement la ville. Ah ouais, attends, ils sont pas cons. Bah, pas totalement. J'aime bien, moi, l'action du ventilateur, c'est pas mal. Je peux pas avoir plus de notes. C'est quoi le message d'un collègue? Échappe à J. Valentine. Échappe, comment tu te sors? J'arrive toujours pas à croire qu'il... Quoi? Croire Chiron? T'es sus... Ah, Chiron, c'est un mec, ok. T'es suspendu, quelle connerie, tu mets une médaille pour avoir survécu à cet enfer en juillet dernier. Et c'est normal que tu veuilles en savoir plus sur tout ça. J'espère que tu m'en veux pas d'avoir fait profil bas. Tout est arrivé si vite quand le chef a pris la décision de dissoudre les Stars. La fierté de la police, j'ai vraiment cru que j'allais perdre mon job. C'est peut-être Chris, non? Ah non, c'est Brad. Pareil que tu prévois de quitter Raccoon City, je savais que tu ne resterais pas les bras croisés. Promets-moi juste de faire attention à toi. Brad va sûrement tout faire pour t'empêcher de ruiner son business. T'as pris d'origine. Bah, il s'est déjà fait, hein. Il est en cours, hein. Il a fallu que je passe ce message au livreur de pizza pour éviter de me faire griller. On t'a pris une maxi avec supplément de salami, c'est de la part de tous les collègues. Ouais, jusqu'à la mort. Ouais, ça va arriver bientôt ça. Par contre, putain, t'es dégueulasse, Agile. Et ça, les gars. Spaghetti. Mia, take. Dégueulasse. On peut fouiller le frigo? Des bières, de l'alcool, ouais, ouais. Bah. Rien looté? Back hybride.
Attends, est-ce que j'ai vu des photos intéressantes? On peut pas zoomer? Je vais même pas me coucher? Ah non. Ouais, je sais pas. C'est pas possible. Bon, qui c'est encore en train de pisser là? Franchement. Fini, oui. Ah putain. Arrête pire que des mecs qui laissent couler l'eau. Ouais, elle est belle, ouais, j'ai l'impression qu'elle est. Quoique, non, elle est aussi belle que la démo. Peut-être le peaufinage de l'anti aliasing. Ça a l'air moins dégueulasse. Quoique les sourcils. Ça pixel. Hein. Ah ben voilà, la troisième personne, je l'attendais. Allô Jackie? Une interaction à travers le... Enveloppe non cachetée. Je suis enfermé chez moi, des types de l'autre côté de la rue et pieds. Et puis mes moindres faits et gestes depuis leur fenêtre, 24h sur 24. Ce sont des hommes d'Iron ou bien d'Umbrella. Je n'en sais rien et de toute façon c'est du pareil au même. Je sais qu'ils essaient de faire. Ils veulent m'avoir les yeux, me torturer physiquement. Psychologiquement, physique. Et ça marche, je n'ai plus d'appétit, je dors mal. Plus d'appétit, t'as vu son, hein, son appart. Je deviens folle, j'ai l'impression d'être une morte vivante. Encore. Voilà, j'arrive. Mais ça va, je vais peut-être me laisser liser. Hein. Je vais me saouler, regarde un petit peu le bordel que c'est, quoi. Ah, il va dormir là-dessus. Ah, Jacqueline? Est-ce que ça va? Brad, c'est toi? Écoute, sors vite de chez toi! Qu'est-ce que tu racontes? Pas le temps de t'expliquer! Va-t'en de chez toi! Tout de suite! Ok, elle prépare et je... Oh! Ah bah il est déjà là. Coucou! Il y a une porte, hein. Je dis ça, je dis rien. Ah, on lui a mis une capote sur la gueule? Ça commence bien. Comment il arrive à voir avec sa capote sur la tête? Hey! Il est gentil. Mais non, mais reste pas devant la porte aussi, espèce de conne. Bordel, c'est quoi ça? Bah elle est conne elle aussi. Ouais, il faut qu'il se remette de ses émotions. Oh, 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 il a pas le temps. T'as pas lance de grenade? Ah, ça suffira pas. Full camp. On n'a pas le temps de looter. Ok, si. Oh non, non. On n'a pas le temps de looter, tout compte fait, non. L'autre côté, l'autre côté. Accrochez-vous, monsieur. Vas-y, vas-y, passe. Cochon. Allez. Ah, ah, attends, 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 non. Il avait un truc. Putain, il avait un truc. Juste quand je dis que le maniement est bien, il y a un truc à ma gauche, je crois. C'est toi que j'ai vu l'interaction. Non, tu gardes ton tentacule. Avance, arrête de regarder en arrière, avance. T'as pas le temps, ma vieille. Là, tu veux pas prendre le gaz, non? Ah oui? Va plus vite. Putain, y'a pas un peu de bœuf là? Ouais, on a pas le temps, on a pas le temps. Sérieux, il se téléporte en plus. T'es toujours aussi cheaté, hein. Déjà que dans la démo, il se téléportait à travers les plafonds. Monsieur le cheater. Ah ouais, on a pas le temps là. Oui, mais bien sûr. Ne te retourne pas, avance. Ouais, mais non. Traîne pas, avance. Allez. On respire un bon coup. Allez. Tu t'apprendras à te relâcher, là, avec tes pizzas, là. Réveil difficile, succès déverrouillé.
Attends, il n'y a rien d'autre ici. Par ici. Brad. Ah oui, c'est Brad, voilà, c'est ça. Je cherchais dans la démo. On peut pas aller boire une petite liqueur. Ça va? C'était quoi ça? J'en ai aucune idée. Mais il a une dent contre les deux membres du Stars encore en ville. Toi et moi. Mais pourquoi c'est... Pourquoi le son est pas fort comme ça? C'est horrible. Hein, j'entends pas les voix. C'est bouché ou quoi? Venez, hein. Ils nous ont branlé là. Bon, moi tout tourne. Tout tourne. Maintenant que j'ai réglé tous les problèmes sur OBS. Tout tourne. Ah, je peux pas. Je vais pas moisir J. T'as vu ce bordel? Si on reste là, je donne pas cher de notre peau. Ouais, je sais pas. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Disaster. Allez, on va picoler un coup. Oh, on peut pas. Pas de petite bouteille. Le free delivery, t'as la bagnole qui est rentrée. Avance, avance, plus vite. Y'a pas plus avant. Il aurait pu m'aider ou moi, ce connard? Il voit bien que je suis blessé, hein. Oh. Bon, j'ai l'impression qu'on peut rien looter pour l'instant. Ah oui! C'est quoi ça? C'est un pixel artistique là au bout? C'est quoi ça? Ah, c'est bizarre. Brad! Attention! Le mec qui regarde pendant une demi-heure la barrière et c'est Gilles qui doit le prévenir quoi. Hop hop, ça passe. On n'a pas le temps. La porte derrière, vite! Ah oh merde, déjà! Oh merde! C'est autre chose! On va s'en sortir tous les deux! Allez, Jill, je sais comment ça va finir! Non! Tais-toi! On est toujours une équipe! Évidemment! Alors promets-moi de ne pas te faire avoir comme moi! Va-t'en! Il a pas fait long feu, soi-disant ça star, ça mon cul! Oh là là, il va se. Ah, prends-le, ouais, prends le gun! Désolé. Bah, dis merci plutôt! Oh, on n'a pas le temps! On n'a pas le temps, on dégage. On lui dit merde, on économise nos balles. Hop. Bonjour monsieur. Permettez. Je peux pas voir, attends, je vais quand même regarder. Je peux pas voir des filles. Ah. Hop. Rendez-vous sur le toit du parking. Parking. Ok. Ok. Monsieur, est-ce que ça va? Ah, ça va, il est vivant. Laissez-moi tranquille. Allez, vous avez entendu. L'hélicoptère va vous conduire en lieu sûr. Bon, j'espère qu'elle n'avait pas des figurines juste avant. Oh bah adieu hein. Tu diras ça quand t'auras la bombe nucléaire dans ton cul. Monsieur, quel est votre nom? Je peux pas vous laisser ici. Dario Rosso. Ah ouais, je vois. Vous voulez voler ma planque, c'est ça? Débrouillez-vous, ma belle. Ma belle? Ça, je préfère la Jill Valentine des anciens, moi. J'aurais pas dit ma belle, moi. Toc toc toc. Sérieux, il a déjà des chiens? Non. Non, c'est pas chrétien ça. Casse-toi.
C'est un peu tôt pour les chiens, quand même. Bonjour. Ouais, c'est un peu con les zombies, hein. Là, c'est des zombies, quoi. Y a pas une petite statuette? Je pense pas, pas encore. Il y a trop de décor aussi, c'est le bordel, rien. Bonjour monsieur, vous voulez un ticket? Ah, attends, il faut faire gaffe aux zombards là. Non, je suis pas la pression que l'on a ici. Hop! Allez les gars. T'inquiète, on les baise. Oh bah il va falloir les baiser en fait. Voilà, coucher. Coucher, j'ai dit. Voilà. Oh bah en fait j'aurais même pas pu. Voilà. Je voulais, je t'ai tué, bah quoi. Je crois que ça allait prendre du temps. Même pas. J'ai gaspillé deux balles. Sauvez-moi! Tu vois que l'hélicoptère va se prendre un coup de némésie dans le cul, moi. Non? Ah! Je pense que oui, hein. Ouais, il vient de se prendre un coup de némésie dans le cul, ouais. Désolé. Désolé. Il est mort, ouais, c'est bon. Sérieux, quoi. Bête! Allez, démarre, connerie de voiture. Démarre, bordel. On dirait super-héros comme ça avec sa cougoule. Tu vas voir ta gueule, enfoiré. Allez. Ah, bah voilà, regarde ta gueule. Manière, manière. Hop là. J'ai un artaque à l'enfoiré. Ça va, le doublage est bien. J'ai eu peur au début. Hein. Il nous faudra un petit coup de mer. Oui. Hein. Ah, voilà, là, elle est mieux là. Elle est plus sexe, la tête de bite là. Recule. Relève-toi. Ah oui. Continue à tirer. Ah, il a plus de missiles là. Tout va bien. Je suis là. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Moi, c'est Carlos. Je viens te sauver. Allez, on va se mettre à l'abri. Bon, j'ai changé le design des deux personnages. Hein. Vous étonnez pas s'il a plus de cheveux, Carlos? Je croyais qu'il était plus beau comme ça. Vas-y, dans le métro. Succès. On est en sécurité. J'espère. C'est là qu'on groupe les survivants. Où ça, là? Les gars ont converti des rames de métro en abri. C'est parce que j'ai précommandé le jeu que je les ai. C'est bon. Besoin d'espace, hein. C'est bon, j'ai compris. Allez. Pas touche à la marchandise. Oh, c'est pas vrai. Quel connard qui a fermé ça. Ah tiens, ça c'est nouveau ça. Désolé, on va devoir. Le loup du champ de bataille. Ouais. Qu'est-ce que tu sais sur ce monstre? Ça les avait déjà vus dans la bêta. Top Gun.
Par contre, ça, je vais regarder un petit truc. Donc j'y suis. Je vais voir un petit peu si dans c'est d'affichage, si c'est pas mieux de le passer en rec 709. J'ai jamais rien vu de semble. Oh non, ce non. Sûrement pas non. C'est tellement plus dark. Mais c'est pas un zombie. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. T'aimes pas ce genre de mec? Non merci, je te le laisse. Ah, écoute, avec moi tout va bien se passer. Je suis de l'UBCS, le groupe de lutte contre les menaces biologiques d'Umbrella. Tu te fous de moi? C'est une blague, c'est ça? C'est vous qui avez causé tout oh, ça? Du calme, qu'est-ce que tu racontes? On est là pour aider la population. C'est quoi le problème avec Umbrella? C'est quoi le problème avec Umbrella? J'hallucine. Ta boîte est juste coupable d'avoir contaminé tout le monde, bordel! Ah ouais, c'est la première fois que j'entends ça. Écoute, t'es pas obligé de me croire. Moi, je vais à l'abri. Viens. Allez, c'est par là. Ah bah voilà, là on arrive dans la partie de la bête. Par contre, ce qui me fait chier, c'est qu'on n'a pas le nombre de figurines. Bah on verra bien. De toute façon, je me prends pas la... Bah, j'essaye quand même de lutter ici, hein, mais... Pas plus possible, hein. Ah bah ils ont parmi l'autre... qui les ont changé de place, les petits bâtards. Peut-être pas toutes, mais... Là, il en manque déjà. On avait une là dans la bêta. Rien. On va voir s'ils ont corrigé le problème avec les moustaches. Cette charmante demoiselle a besoin de nous. Ah, c'est toujours un peu trop piqué. Je sais pas ce que c'est, c'est bizarre. Hein. T'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, le Stars. Son nom, c'est quelque chose comme Valentine. C'est Jill. Ravi de te rencontrer, Jill. Je suis Mikhail Victor, chef de peloton de l'UBCS. Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Je vois. Et comment ça se passe? La ville est complètement coupée du monde, isolée. La grande majorité des 100 000 citoyens de la ville vont mourir. Enfin, façon de parler. Mon peloton a essuyé de sérieuses pertes. Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens désormais. Bon ben, vous pouvez remercier votre employeur pour ça. Ouais. Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici. On réussissait à faire démarrer ce train. On pourrait évacuer quelques survivants. Mais on a besoin d'aide. Mes hommes n'y arriveront pas tout seuls. Je sais pas d'où ça vient le système pixel au niveau des sourcils, de la barbe. Là. J'en suis. Bizarre. Hein. Mais je fais ça pour eux. Pas pour vous. Hé hey, oh. On veut tous la même chose. Merci, Jim. Bon, super flic. Prends ça. Ça nous servira à rester en contact. Je sais ce que c'est, un Toki. C'est vraiment plus stylé comme ça. Pas Carlos. Va falloir t'équiper. Alors. Je recheck. Dirige-toi vers la sortie, tu trouveras du matériel. Alors, est-ce qu'on peut faire un peu plus ici? Ah, ils ont même retiré la munition qu'il y avait là. Ouais bon, ça on avait déjà lu, à fabriquer une munition. Il avait rien d'autre. Allez, 15h.
Alors, 25 septembre à l'aube, le commissariat de Raccoon City a reçu un appel d'un citoyen terrorisé, témoin d'une agression perpétrée par un individu écrit comme un clochard déséquilibré. Bon, ça, c'est ce qu'on avait déjà lu dans la bêta. Sur une passante au nord du musée d'art de Lams, en inspectant les lieux, la police a découvert dans une benne à ordures le corps mutilé et démembré d'une femme. Les restes étaient retrouvés comportaient de nombreuses traces de morsures, indiquant que la victime avait sûrement été dévorée. L'affaire porte au nombre de 3 les cas de cannibalisme à Raccoon City. Il a bien pu commettre ces atrocités, c'est la rédaction de New Comet. Nous pensons que ces patients pris en charge gratuitement depuis le mois d'août à l'hôpital Memorial Spencer pour une maladie étrange n'apprécient peut-être pas la nourriture servie à la cantine. Nos reporters ont infiltré l'hôpital pour tenter de découvrir la vérité. Ils sont venus avec des détails à faire pâlir des fois les moins sensibles d'entre vous. La page pour tout savoir sur le scoop de l'année. Et là, on peut pas. Voilà, la tristesse. Ça va un peu penser à The Evil Rising. Le coup de l'hôpital ou... Jill, c'est Carlos. T'es sorti de la station? Presque. C'est quoi le plan, alors? Le vieux m'a chargé de déblayer les voies. Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route? Et comment je fais ça? D'abord, il faut rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris. Je me dépêche. Un peu, ma petite bœuf, tu m'avais manqué. Je pense... Ouais, on va conserver pour l'instant tout. On va bien voir... Ah tiens, nouvelle caisse. Ah. Ah, je peux pas. Ok. Donc il va me falloir... ce qu'on n'avait pas dans la bêta, quoi. Faire à souder ou à tout du genre, peut-être. On verra bien... Ah, il faut interagir à piste récupérée. Ouais, non, ça. J'ai l'impression que je pourrais faire marcher ça en mettant quelque chose à l'intérieur. À l'intérieur. Tout sur les plantes. Il n'y a pas de place à l'UBC pour les chuchotes qui rentrent à la base à moindre égard. À la base, à la moindre égard. Personne ne viendra faire un bisou sur votre bobo. Ils sont formés avec notre propre mail, alors retenez bien ces formules. Okay. Par contre, j'ai l'impression que vu que j'ai eu toutes les statuettes de la bêta, ça s'est validé dans le jeu officiel. Ou alors ils les ont déplacées, je sais pas. Va savoir. Fusion. Déposer. Je crois que j'ai lancé un hardcore. Hein. On va quand même le faire. C'est bizarre qu'on a... Bah non, c'est vrai que... Ouais, je sais pas. Normal, non, ça va, j'aurais dit. J'avais un petit peu tremblé. C'est ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on va avoir les 20 figurines sur ce chapitre-ci, quoi. Il y a encore des survivants. Faut qu'on fasse repartir ce métro. On verra bien. Bon. Salut toi. Salut les potes. Toujours à la même place. Oh tiens. Ah, il est capté là. Il voulait pas crever. La voiture des flics, elle est... Ouais. Je sais pas. Franchement, je sais pas si les statuettes doivent... Attends, bah on va être fixé. Et quoi, on va être fixé?
On va le savoir très vite. Carlos, dans la rue principale, faut que j'aille où? Tu vois une tour de transmission? C'est la sous-station. Tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre. Tu veux dire, ça inquiète un peu? Peut-être. C'est pas de ma faute si ton regard de braise a encore fait des ravages. Va te faire voir. Max, c'est un gros relou. Hein. Ouais, regarde, tu vois. Ouais, bah, je pense que c'est bon. Donc, si je les ai lootés dans la bêta, c'est bon. Donc, j'éteins ça. Pas mal ça. Ouais. Bon, je vais quand même les tuer ceux-là. Voilà, comme ça on est tranquille. Ah oui. Ouais, c'est vrai, ils sont aux 4 là. Bon, je pense qu'on va essayer de se faufiler, hein. Est-ce que ce sera faisable? Ouais, c'est faisable. On va tenter les premières fois peut-être de les regrouper, tu vois, dans un coin. Venez là, les gars. Voilà. J'ai pas le temps. Ouais, toutes les statuettes sont plus là. Bon, on va profiter pour looter. Pas mal ça. Bon. Voilà. Est-ce que je pourrais repasser ou les zombies vont m'attendre? Les copains! Non, ça va, ils viennent pas. Ouais, à la limite, on peut passer par là. Il me reste combien de place? Une. Je peux le tuer maintenant, lui. Non, toujours pas. Hein. Alors, journal du pharmacien. Bon, ça, on l'avait lu aussi. Hein. Ce nouveau tonique capillaire d'Umbrella se voit comme des petits pas. Alors, pour lui, il faut toujours des miracles. Alors, ça ne m'étonne pas. J'étais sûr de mon coup, alors j'en ai commandé une grande quantité. Rien ne me trompe jamais. Et avec le bouche à oreille, les vols ne sont pas prêts de s'arrêter. Ce qui m'inquiète, par contre, ce sont les actes de violence dont on parle en ce moment aux infos. Je ferais peut-être bien d'investir dans un nouveau coffre pour mettre mon magot à l'abri. Nouveau coin absolument parfait, personne ne connaît le code, pas même ma femme. Ouais, c'est toujours le même mot de passe, j'imagine. On va tester. Merde, je suis détruit. Ah non, ils l'ont changé. Ah, les petits salauds. Les petits salopards. De toute façon, je suis plein. Bah, je crois qu'il va changer. Attends, je vais réessayer un coup. 9. Alors, j'ai louché, peut-être. Non, il va changer. Les petits salopards. Bonjour, monsieur. Venez par ici. Voilà. Ah, j'entends une statuette, c'est pas normal ça. Ah non, ok, j'ai rien dit. Ah, attends, normalement il y a des cartouches là, voilà. Ah, là, ok, le zombie a des pop. Il m'a vu? Ah, pas sûr.
Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Nanana, 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 nanana. Attention. Hop là, ça dégage. Remettez les gars. Ah si, ils en ont mis quand même quelques-unes hein, au même endroit. Ok. Déposer. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais faire justement. Ok. Ah, c'est peut-être pour la machine dans le métro qu'on a vu là, non? Stocké. Faire une petite sauvegarde tranquille. Ouais. Ouais. Donc à partir d'ici, je vais sauvegarder sur le deuxième profil. Salut les gars. Ouais, donc ils en ont remis un petit peu aléatoirement, mais ils en ont mis moins des statuettes. J'ai pas regardé sur... on va aller voir. Comme derrière la porte. Ouais, ça mire les popettes. Oh bah voilà, je les ai tous su en un coup. Oh putain, ils ont rien compris. J'ai bien fait de pas les tuer tout de suite. Non, j'entends pas de Z. Oh mais allez voilà. Bah ouais, non, on ira après. Ah mais non, mais de toute façon on peut pas aller là, il me faut la PS. On va aller vite voir. Non. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont été moins bâtards sur les statuettes. L'impression, hein. Rien à looter. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Pouf! On a échappé belle, hein. On dort. Voilà. On a eu chaud, Luc. Hein. Non, non, attends, attends, lui. Toi, je t'oublie pas, toi. Merde. Putain, je voulais économiser une balle. Hein. J'aurais pas dû. Chier. C'est bon, il est mort. Je vais être un peu trop radin là. Il me reste encore une place. Ça va être un petit peu. Là, la statuette elle est plus là. F937, ok ouais, ils l'ont changé. Nanana.
Par contre, si je comprends. Bah, tu as les voitures encore une fois, donc je me demande si. La paix, c'était où qu'on l'a trouvée? La paix, c'est le déplacer. Hein. Normalement, elle était là dans le coffre. Normalement, elle était là à la place de l'imprimante. Bon, je suis ok. Je me suis fait un petit peu mordre, mais c'est rien. Ah, les petits salauds, ils l'ont déplacé. Les autres boutiques, je suis quand même allé voir vite fait. Ah ouais, peut-être pas par là. Si ça passe. Ça passe, ça passe. Normalement, elles ont tout avec Anna, je crois. Hein. Faut quand même aller voir. Ouais, là, il faut la pince. Ouais, c'est ça. Merde, j'ai oublié de redescendre l'échelle par contre. Salut madame. Alors monsieur. Là il n'y a plus là non plus. J'ai pas regardé sur la statue, c'est vrai que. On passera après. Juste redescendre l'échelle vite fait. Voilà. Est-ce qu'elle a pop? Non, elle a pas pop. Hein. Ok. Ouais, donc ils ont quand même changé certains trucs. Pas tout, mais certains trucs. Ah, j'ai un chrono là. Ça passe. Permettez les gars, elle a pas vu ça. Tout ce qui est S+ et tout ça, je m'en fous hein, pour l'instant. Moi, ce que je veux, c'est des bonnes sauvegardes, comme ça je pourrais looter. Ouh, ok, monsieur. Ah, mais tu tombes, hein? Merci. Ah, c'est bien. Pas de statue, ok. Bon, bah on n'a pas trop le choix. Il va falloir aller. Aller de la station. Je présume qu'elle est ici la PS. Je te préfère comme ça. Alors, ouais, c'est ça. Ouais. Il me faut. Non, non. Ma petite creugre. Il me faut la PS. Hein. Bon, je présume qu'elle sera là. Si elle est pas là, je sais pas où elle est. Hein. Ça doit
être les bureaux de la compagnie de métro. Ah mais tout est fermé. En cas de coupure de courant, le métro cessera automatiquement de fonctionner. Une fois l'électricité, bon, ça on avait déjà lu aussi la dernière fois. Les gares dans lesquelles le train sera éteint, c'était à la bêta. Bah, sur une heure se produira. Donc il faudra faire correctement le schéma avant d'activer ici le panneau. On va me le faire. Il se passe rien. Je sais pas où elle est. Ah. Parfait. Bah, je sais pas. Est-ce qu'il faudra revenir plus tard, peut-être? C'est bizarre, la peste. On devra peut-être aller dans la deuxième zone pour récupérer la peste et puis revenir ici, peut-être. Hein. Ouais. Tout pile, oh, la gestion. C'est beau. Mais si, là, il y a d'autres. Hein. Non, je crois que j'en avais entendu une même. Ok, bon bah on va aller éteindre le feu hein. Ah. Ok. On va repasser par la boutique. On va faire le tour tranquille. On va tout stocker. Pff, couteau, il est quand même un peu chiant. Ok, ça te fait économiser, mais ça te prend de la place. Je vais regarder. Voilà. Là, quelle heure ça fait? Bah, ça fait une heure déjà de jeu. J'ai plus trop tardé, je pense. Je suis content de voir que tout tourne nickel. On n'a aucune perte, on n'a rien du tout. C'est parfait. Donc, on va faire le tour. Hein. Voir si c'est toujours bugué. On va quand même regarder pour les. Voir s'ils en ont pas mis ailleurs. Tant que c'est calme, profitons-en. Donc on en a une là, là elle n'est pas dans le magasin, c'est quand même bizarre. Ici ce serait une belle plaque parce qu'on entend que dalle avec le feu. Ça, non, ça a l'air d'être bon ici. Hein. Bon, il faut que je fasse gaffe à Pepito. Bon, c'est bon, il a des mauvais côtés, Pepito. L'autre, il dort encore. Donc, c'était 9-3-4, je crois. Hein. Merde, j'ai tiré.
9. Ah. Non, c'était 9, 9, 3, 7 plutôt, je crois. Ok, 9, 3, 4. Non, c'était 9, 3, 7. Voilà. Au revoir, monsieur. Combiné. C'est homologué, ça. Affirmatif. Ok, mes copains sont toujours là. Je recheck un coup ici, mais... C'est dur avec la musique, hein. On va la redescendre un peu. Salut copain. Non, c'est l'arbre. Donc il fallait que je fasse... On est bon, hein. Ah non, il se réveille aussi. Ah, c'est un rampant. Approche. C'est bien, ils ont simplifié l'action parce que franchement, c'était n'importe quoi, hein, ce qu'ils demandaient. C'est bon. Merci ma couille. T'as encore une à looter là, je crois. Je vais quand même le tuer lui. Voilà. Une petite balle à la gueule. Il fallait... Attends. Je vais aller revoir. Putain, il est pas encore mort ce chien galeux là, t'es sérieux? Ah bah avec tout ce qu'il s'est bouffé quoi, arrête de déconner. C'est bon.
Ah bah elle est là la PS, ok. Nickel. Ouais, la grenade, on va quand même la garder. Quoique. Ouais, ça va être... la placer en plus quand même. Ça, je pourrais pas. Hein. Bon, bah on va aller ouvrir le reste. On en profite pendant que c'est calme. Ah oui, mais non, celle-là, je peux pas. J'ai plus place. Ok, restera. À soi à looter. Non, là il a rien à aller fouiller, non, là il a rien à fouiller. Ah, il m'en manque un là, il est où le... il manque un zombie là. Elle est par là, elle est où la femme? Rien à looter ici? Voilà le couteau. On va quand même le garder sur nous. Ouais, mais attends, on a pas assez de place. On va quand même faire comme ça là. Copain. Allez mec, crève, sérieux. Pourquoi une fois sur deux celui-là il est crevable, quoi. Voilà, t'es mort. Allez bien. Oh, il est sur 3 maintenant. Approcher. Voilà. De statue ici. Non. Le fusil à pompe, mais on n'a pas de place, on va vider un peu. Ouais, ça me paraît bien. On va aller chercher le fusil à pompe.
Là, on avait tout looté. Alors attends, raccourci, pistolet, ou plutôt un. Là mon pote zombie qui est là. Je sais pas s'il peut sortir dans la ville. S'il va camper le bâtiment. Non, il va camper, hein, bâtard. Donc, la peste, il me manquait encore un truc alors. Je pense pas. Hein. Là, c'est ouvert. La boutique, on a tout fouillé. Ouais, limite on peut passer par là. Adieu. On se fera un petit shoot d'herbe juste après. On va juste récupérer ce qu'on avait laissé. Et j'irai bien retourner vite fait dans le métro pour aller voir ce qu'il va me dire le mec. Là. Ça ici normalement on a tout fouillé. Le garage, donc c'est là où. Oh. La boutique de donuts? Attends. Cadenas. Ah ouais, bah ouais, ouais, il parle de... Ouais, ok. Ok, c'est bon, j'ai compris. On va retourner dans le métro. Tranquillou. Bon, monsieur. Permettez, hein. Voilà. On va stocker, on en profite. Bon, la pêche, je pense pas que j'en aurai l'utilité pour l'instant. Avec les mecs, je peux peut-être mettre déjà les cristaux. Bon, toute la poudre qu'on a, mec. C'est abusé. On va refaire des balles de pompe. Voilà. Donc pour l'instant j'en ai que deux, ouais. Même regardez si ça va bien là. Ouais c'est ça, ça va là. Ok.
Ah oui, carrément. Ah, c'est gentil ça. Ok, tu trouves les 3 diamants, il te donne des stuff. Hey, c'est pas mal ça, la box. J'aime bien. C'était pourquoi ? Pour la stabilité, je crois. Moi, ça prend pas un slot de plus. Et donc, il manquera encore un verre. Je présume que c'est dans les cadenas qu'on a pas su ouvrir. Tiens, je vais prendre un peu de drogue. Ah, ça me suffit. Ça, on va déposer. Voilà, t'es toute neuve. Ouais, le couteau, regardez. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Bah, t'économisais peut-être une balle. Tu vas me dire, c'est toujours ça de gagner. Ouais, donc tout ça, je peux pas les ouvrir. Je vais faire, je vais aller aussi de l'autre côté du métro. Et puis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura fait un petit tour. Il manquera juste une chose. Pas de statuette ici. Je vais aller de l'autre côté du métro, on va bien voir. Ah bah non, c'est là, là où on vient, ça sert à rien. Tu viens me parler. Envoyez Carlos pour qu'il ouais. fasse le ménage sur les voies. C'est une occasion aussi pour lui de faire le ménage dans sa tête. Voilà, normalement ici on devait crafter des balles de Magnum, mais bon, je sais pas le faire. Tu faisais ça dans la bêta, tu craftais des balles de Magnum et t'allais lui parler avec Thor. Il te filait un truc. Assez. Tu pouvais looter un cadavre et t'avais une statue juste à côté. Mais je pense qu'ils l'ont enlevé, ça c'est totalement un problème et il faut le savoir quoi. Mais bon, au cas où. On verra bien, on va quand même voir, on va sauvegarder, on va s'arrêter. Donc il me restera un diamant. On a 3 grenades ou 2, je sais plus. 3. On va peut-être looter d'autres dans les coffres qu'on peut pas ouvrir. Donc je vais aller voir le cadavre. Truc à péter ici ou on s'avance. Là dans la vitrine là il a rien. Première vue, il a rien. Bon. Bah, ça me paraît bon, écoute. On va aller voir si le cadavre a pop. Et on va aller sauvegarder au garage et on continuera avec le garage. C'est toujours hein. Est-ce qu'ils auraient changé le principe? Non, le cadavre n'a pas spawn, ok. Ouais, je pense qu'ils en ont mis moins des figurines. Hein. En tout cas, les gros. Les figurines bien relous, ils les ont enlevés ou.
Je vais peut-être changer le principe. Les chocs qui vont réussir à se libérer. C'est bon, alors qu'est-ce qu'on a est-ce qu'on prend quand même le couteau maintenant? Ouais, j'ai 3 grenades sur moi. Est-ce qu'on les prend quand même? Limite, ce que je vais faire, je vais pas les tuer, je vais les retirer dans les jambes. C'est 4, hein. J'ai mis la slot, les grenades partiront. Ouais, on va sauvegarder ici. Donc, ouais, on peut sauvegarder là. Voilà. Ça, cette zone-là, elle est plus ou moins torchée. Faudra qu'on fasse gaffe. Ça, si j'ai les statuettes, je recommencerai à partir d'ici. Comme ça, j'aurais déjà tout looté, j'aurais déjà fait des petits trucs. J'espère juste que j'en ai pas looté avant. Loupé avant, plutôt. Pas combien de temps on va rester dans la zone, mais... Pour l'instant, je pense qu'on est pas mal. Alors, c'est pas, je peux pas voir le nombre de... Non, hein. Ça indique pas le nombre de statuettes qu'il y a. Bon, 7 barres. Tatatata. Retour de flux. Péter tous les défis. Sature. Non, ça c'est les défis. Tout verra bien. J'ai sauvegardé, ouais. Je peux quitter. Et j'espère que le son était bon. Le reste, normalement, ça a tourné nickel. Voilà. Ce que je ferais peut-être bien quand même. La tenue, elle est quand même pas ouf, je trouve. Hein. J'ai de la changer. C'est quoi la stand? Ouais, je sais pas. On voit pas bien, elle est... Bah, ouais. Ouais, non, elle est bien comme ça. Voilà, c'est comme ça. Allez. Bah, écoutez, une bonne soirée à vous. Donc, à demain. Je serai, ouais, il est 16h quand même. Hein. Je pense que je vais aller faire un peu de DZ, moi. C'était sympa. J'espère que ça se passera bien pour la rediffusion, pour ceux qui regarderont. Je pense que je vais quand même télécharger le truc pour vous couper des séquences parce que bah on a quand même beaucoup tourné en rond donc pour justement prendre le temps de looter. Vous verrez bien comment je vais faire mais bon il y a plein de moments que je peux couper vu que voilà moi je prends le temps justement de fouiller pour essayer de trouver tout toutes les figurines au moins peut-être pas tout, on les trouvera pas tous c'est sûr mais un maximum comme ça quand je recommencerai probablement en hardcore. Plus je recommencerai probablement facile pour les looter plus facilement ceux qui manquent si c'est trop chiant. Pour essayer d'avoir un maximum de trucs. Je suis étonné quand même qu'il n'y a pas de succès Steam. Enfin, allez, une bonne soirée, à la prochaine. Demain on fera du King Kong je pense. A voir, je pense qu'on va faire. Pardon. Un jour sur deux King Kong et Resident Evil. Ou je vais partir sur King Kong maintenant. Il est 16h. Ouais, je pense que je vais faire ça. Allez, bonne soirée. À demain.